Bonjour frères et sœurs, voilà, petit encouragement pour vous aujourd'hui. J'ai reçu un verset à cœur, c'est Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et je pense vraiment que ce deuxième confinement, ça peut être un peu décourageant, ça peut être vraiment aussi l'occasion de passer plus de temps avec le Seigneur, dans sa parole, dans sa présence. Je sais que c'est très facile de se laisser distraire par plein de choses autour de nous, même pas forcément par des mauvaises choses, mais on peut avoir des très bonnes distractions aussi dans la vie, le travail, les enfants, les tâches ménagères, des choses comme ça. Et moi-même, je sais que c'est très facile de tomber dans ce piège, entre guillemets. Mais vraiment, utilisons chaque instant que Dieu nous donne pour passer plus de temps avec lui. Ça peut être, voilà, pendant qu'on fait le ménage, bon bah on met de la louange et on prie, enfin voilà, vraiment... Il y a plein de manières différentes de cultiver sa présence. Et je pense que vraiment, ce temps, cette période, c'est vraiment un temps unique pour nous d'aller vraiment plus loin pour chercher la face de Dieu et surtout prier et intercéder. Non seulement prier pour nos sujets de prière personnelle, mais vraiment aussi pour notre nation, pour notre Église. Donc voilà, soyez vraiment encouragés, soyez bénis, soyez une bénédiction. Et puis bien sûr, on reste connectés sur les réseaux sociaux. À bientôt!